après, M. Gauthier a pris des décisions, elles sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est dur pour le Sporting aujourd'hui de finir à 9 quand on voit la prestation qu'on a pu faire. Donc, c'était déjà difficile de venir à Geoffroy Guichard 11 contre 11, c'était difficile avec la chaleur, ça a été encore plus difficile le fait de se retrouver en infériorité numérique. Malgré ce, on a essayé de revenir au score dans un premier temps, on a même eu quelques opportunités. Alors on va pas se cacher derrière l'arbitrage, il est ce qu'il est. Je laisserai les gens compétents juger. Aujourd'hui, ce qui est difficile à accepter, c'est qu'on a deux joueurs qui vont être sanctionnés, qui ne pourront pas jouer le week-end d'après, alors que je pense qu'en aucun moment il y avait l'intention de faire faute et de faire une agression qui mérite le carton rouge. C'est comme ça. Après, dans le feu de l'action, l'arbitre a pris sa décision. On ne peut que la respecter, malheureusement, c'est comme ça. Gislain, pour clore le débat là-dessus, mais pour avoir là aussi votre transparence, puisqu'on est, c'est une tribune ouverte, vous avez appelé M. Gauthier dans le match, vous avez croisé les bras à son arrivée pour lui montrer bien qu'il n'y avait pas d'intention de sévir, mais quel a été cet échange? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Non, j'ai essayé de comprendre sa réaction. Bon, il m'a expliqué qu'il a vu qu'il y avait une faute intentionnelle, donc il a pris la décision, qu'il m'a demandé de respecter cette décision-là. Donc bon, voilà, mais j'ai souhaité avoir cette relation avec M. Gauthier parce que de là où j'étais, je pensais que c'était sévère, et après j'en ai eu confirmation lorsque je suis rentré au vestiaire. Mais c'est comme ça. Après il faut reconnaître qu'on a été également nous fautifs, puisqu'on a concédé un premier but après une série de coups de pied arrêtés qu'on pouvait largement éviter. D'autant plus que je crois que sur le dernier coup de pied arrêté, en plus, il n'y avait même pas à corner, mais bon, c'est un fait de jeu. Et ensuite, le deuxième but, on est en infériorité numérique, on est à 20-25 mètres du but adverse. On doit essayer de finir par une frappe, et sur le contre, il y a tout le talent des séries qui a parlé. Bon, c'est comme ça. Après, Saint-Etienne n'a pas volé sa victoire, mais il était difficile de pouvoir leur opposer autre chose que ce qu'on a pu leur opposer aujourd'hui. Juste là avec Eli Bob. Eli. Oui, on comprenait la frustration de l'arbitrage, mais on a vu des joueurs solidaires, une défense centrale, même si au départ, c'est pas comme tu l'as bien expliqué avec Pébernès, pourquoi il a été maintenu, tenir le choc, et surtout Fofana, vraiment de très grand niveau aujourd'hui par rapport à cette infériorité numérique. Oui, je vais peut-être surprendre pas mal de spécialistes, mais je suis globalement satisfait de ce qu'ont pu faire les garçons, parce que après avoir laissé passer l'orage, on a réussi à mettre un petit peu le pied sur le ballon, et que ce soit Fofana ou Koulibaly, ils ont transpercé cette équipe de Saint-Etienne, amené le danger. On aurait pu déjà revenir au score sur une première action où Yannick Elusa, je crois, se présente devant Ruffier et frappe juste à côté. Non, on avait des intentions, on avait des jambes malgré la chaleur, et je dirais malgré l'infériorité numérique. Donc c'est bien ce qu'ont réalisé les garçons. Ils ont été exemplaires, ils ont été, je dirais, dans nos valeurs, avec beaucoup de solidarité. Après, je regrette bien sûr d'avoir pris deux buts, parce que jusqu'à présent c'était l'une de nos forces, mais malgré ce, on a montré quand même de la solidité, et si on reste dans ce registre là, je pense qu'on arrivera à ramener des points de l'extérieur. Eric. Bonjour Gislain, Eric Roy, juste une petite question. On sait qu'un entraîneur doit souvent s'adapter et suivant les situations. Là, ces deux expulsions, explique-nous la réorganisation après la première et la réorganisation après la deuxième. Quelles ont été tes consignes aux joueurs? Mais on est passé à deux lignes de quatre et une seule pointe, Floyd a été. Et avec mon staff, on a échangé. On avait dit si jusqu'à la mi-temps, on reste 1-0, on passera à trois milieux et deux attaquants pour essayer de poser des problèmes à Saint-Etienne et de revenir au score. Le fait qu'on égalise avant la mi-temps a fait qu'on est resté dans ce dispositif-là. Mais j'avais prévenu les garçons que si Saint-Etienne venait à passer devant au score, on basculerait avec trois milieux dans l'entre-jeu et deux attaquants proches l'un de l'autre. Après, ça a été totalement faussé, le fait qu'on se soit retrouvé avec deux joueurs en moins, donc c'était beaucoup plus compliqué, les efforts étaient difficiles à faire dans un sens et dans l'autre, et on a pu s'apercevoir qu'à un moment donné, il n'y avait plus de milieu de terrain, les équipes étaient coupées en deux. Gislain, le dernier mot avant de vous laisser filer, vous disiez avant ce match, on va savoir où on en est avec cet affrontement face à Saint-Etienne. Vous en savez un peu plus?
J'en sais un peu plus, oui, par rapport à mon groupe, j'en sais un peu plus. Je sais qu'on est capable de faire de bonnes choses. Après, je ne pense pas que le déroulement du match m'ait permis de tirer de grands enseignements, parce que je pense qu'on a été, frustrés et c'était difficile à un moment donné de pouvoir répondre, je dirais, à l'exigence d'un tel match. Mais c'est vrai qu'il y a la défaite, mais je suis satisfait de ce qu'ont fait les garçons et je pense qu'elle est porteur d'espoir. Gislain, merci beaucoup. Gislain Printemps, l'entraîneur de Bastia avec nous. Merci beaucoup, Gislain. Merci à vous. Bon retour. Bon retour. Et merci à Julien.